Nagut İmtik, avocate en Turquie, avait 42 ans. Elle est morte après 238 jours de grève de la faim, assassinée dans le silence coupable des gouvernants, tant de l'Europe que du reste du monde. Elle avait été condamnée, sans avoir bénéficié d'un procès équitable, à plus de 13 ans de prison pour appartenance à un groupe terroriste, en réalité pour avoir défendu ses clients. Les barreaux, les avocats continueront inlassablement à se battre pour faire respecter ici et partout la parole de la défense, libre et indépendante, et réclamer la libération des confrères et des consoeurs injustement condamnés et incarcérés pour avoir fait leur devoir. Notre confrère, Etak Unsal, incarcéré dans les mêmes conditions que Ebrut İmtik, en grève de la faim depuis 213 jours, vient d'être libéré par la Cour suprême turque. Nous ne nous tairons plus, le silence est coupable.